Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble la webcam Logitech C920. C'est une webcam qui coûte 100€ et donc c'est parti pour l'unboxing. J'avais commandé la caméra sur Cdiscount. À l'ouverture, rien de spécial, si ce n'est que je l'ai trouvée un peu petite, mais finalement, avec un peu de recul, ça suffit largement. La webcam est super bien emballée, il n'y a rien à dire sur ça. Il n'y a pas de notice, mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle est hyper facile à installer. C'est juste un branchement en USB et c'est bon. Pour vérifier que la webcam est bien branchée, vous allez dans l'application caméra et normalement, vous avez le point de vue de la caméra automatiquement sur votre écran. Ok les gars, donc on se retrouve sur OBS Studio. Maintenant, je vais vous expliquer comment paramétrer votre webcam sur ce logiciel. OBS, c'est bien sûr le logiciel le plus connu pour l'enregistrement. Il est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger si vous le voulez. Ça va être très très simple pour le paramétrer votre webcam. On va créer une nouvelle scène, même si j'en ai déjà fait une. Donc là, voilà, là ça marche déjà. On va créer une scène. Donc, je vais appeler Facecam. Après, vous allez tout simplement créer une nouvelle source. Vous allez cliquer sur périphérique vidéo. Après ça, vous nommez votre source et normalement, ça marche. Normalement, vous voyez votre tête. Maintenant, il va falloir commencer à paramétrer la caméra. Donc, la première chose à changer, ça va être enlever les paramètres par défaut pour mettre des paramètres personnalisés. Après, vous allez changer la taille de votre webcam et vous allez la mettre en 1920 x 1080. Et le dernier paramètre à changer, c'est la résolution d'image et vous allez mettre ça en 30 fps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que grâce à cette vidéo vous avez pu comprendre un peu comment marchait cette webcam. Peut-être que ça vous a pas convaincu de l'acheter, peut-être que ça vous a convaincu. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me soutient énormément. Passez une bonne journée, c'était LGenius, allez, ciao.